C'est les pays. On commence à faire un vide. Le plastique entre le matelas et le front. Là, on va l'utiliser à la verticale, mettant le maximum du côté du patient. Quand on compte, on va tourner en bloc. À 3. 1, 2, 3. Vérifie le dos. Il n'y a rien. J'approche le matelas. On va prendre autant. On descend de l'arbre, le plus proche du patient. Et on ramène au complet le matelas. On va l'amener sur le dos. 1, 2, 3. J'enlève l'excédent de notre drap. Ici. On va le bouger. Je sors de la selle de l'eau ici. Parfait, excellent. Que je vais rouler. Pour avoir une bonne prise. Avant de tirer Joseph, juste réaligner les jambes comme il faut. Tu me diras quand? C'est bon, ça c'est parfait. Bon. Je vais être à ton compte. 1, 2, 3. Excellent. Pour les jambes. C'est parfait. Avant d'attacher, juste ramener le drap qui est sur le dessus du thorax, sur les côtés, qu'on puisse continuer de visualiser l'ensemble du corps et du thorax. Je vais commencer à attacher le matelas. J'en amène de chaque côté. Je pousse. Sébastien va te laisser ton bras à l'intérieur. Au besoin, tu l'enlèveras. Parfait pour les émissions. Je m'assure que je n'ai pas la respiration. C'est la même chose. On est fatigué, entre les jambes, on va continuer à attacher. Thank you.
monde. Donc, je vais mouler la tête. C'est bon, parfait. Ça va. Super, joli. Parfait, on est en bas du front, on va pouvoir attacher la tête après. Parfait. Que je ferme le clamateur d'extrémité. Je m'assure que le patient est en position anatomiquement droite. Il est bien en position anatomique. Je m'assure qu'il est fermé. Et on enlève là. On dira comment tu vas casser les yeux. C'est bon, ça? C'est bon. Grande respiration, frère. Ouais. On va synchroniser sur la respiration. Le patient, c'est pour prendre une respiration. On relève. C'est la taille. Le tape. On commence par le front. Bon, fixé. Excellent. C'est bien fixé. Parfait.